Bonjour, une petite vidéo pour récapituler le travail que nous avons fait en classe. Donc en classe, nous avons étudié ce qui se passe au niveau de la fosse du Chili. Donc nous savions qu'au niveau de la fosse du Chili, il y a une zone très profonde, jusqu'à plus de 8 km de profondeur. Nous savions aussi, grâce au GPS, qu'au niveau de la fosse du Chili, la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine convergent l'une contre l'autre. Et puis, grâce à Tectoblog, nous avons vu que la symétrie des âges des roches océaniques n'est pas respectée au niveau du Pacifique, puisque les roches les plus anciennes présentes à l'ouest de la dorsale ont l'air d'avoir disparu au niveau de l'Amérique du Sud. Donc pour comprendre ce qui se passe, nous avons réalisé une coupe avec notre logiciel Tectoglobe perpendiculaire à la fosse du Chili. En réalisant cette coupe, nous avons vu une disposition des séismes bien particulière, puisque la limite asthénosphère-lithosphère étant à peu près par ici, nous avons remarqué qu'il y avait de nombreux séismes dans l'asthénosphère. Or, nous savons que l'asthénosphère est ductile et qu'il est difficile qu'on y trouve des séismes. Nous avons donc pu comprendre, hein, que les roches les plus anciennes qui manquent en fait au niveau de l'Amérique latine se seraient enfoncées, hein, donc la plaque lithosphérique s'est enfoncée sous la plaque continentale. Donc pour mieux comprendre ce phénomène, nous allons regarder maintenant une petite animation où on va voir donc, en attendant qu'elle charge, au niveau de la dorsale, les basaltes se déposent, ils vont avancer comme ceci. Lorsqu'ils arrivent au niveau de la plaque sud-américaine, ils vont s'enfoncer. En s'enfonçant, ils vont créer des séismes de plus en plus profonds. En s'enfonçant, ils vont créer des frottements qui vont chauffer la roche, créer une fusion, des chambres magmatiques et ce qui va expliquer le volcanisme explosif que nous avons vu aussi au début de cette année. En vous remerciant de votre attention.